C'est marrant parce qu'on voit pas du tout que j'ai l'habitude des FPS. Toum, toum, Oui, bah toum, d'ailleurs, toum. on court plus vite dans Minecraft quand on sautille en même temps. Oui, ça j'ai remarqué. Ouais. J'ai envie d'essayer un truc, ça te dérange pas. Hop, voilà. Pof. Voilà. Aïe. Mes chevilles. Bon, encore une fois, si je leur mets, si je mets des volets aux fenêtres, eh bien, à mon avis, ça va pas bien donner. C'est un peu limite, hein, d'utiliser des trappes d'or pour les volets, parce que le look dépend fortement du pack de texture. Tu vois, sur la façade, j'ai mis un bloc. Je sais pas ce que t'en penses. Non. D'accord. Ouais. Bof. Bon. Ok. Eh Voilà, ben. j'ai fini. J'ai fini ma petite maison. Eh ben d'accord. Tu veux des volets? Non. D'accord. Ben ça va, je garde les volets pour moi. C'est bon. Hé! Donc. Ah! Putain. Tu te fais bousculer par les NPC? Ah non, j'ai appuyé sur les touches qu'il fallait pas. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je mets la porte en dernier, moi. C'est parce que sinon les NPC arrêtent pas d'entrer et sortir. Alors. Non, je crois que c'est un peu limite pour mettre une fleur ou une plante. Ah oui, mais j'ai Ouais, des ça va, ça va. bibliothèques. J'ai oublié les bibliothèques. Bibliothèque, comme dit Homer Simpson. Là. Mais oui, mais non. T'as plus donc ta pioche Silk Touch? Non. J'en aurais bien eu besoin là. Non. C'est malin, c'est malin. Ouais, heureusement, on récupère les bouquins maintenant, au moins, c'est déjà ça. Bon. Bon, bah voilà. Ça m'apprendra à pas regarder où je la mets. Là. Et puis là. Et puis là aussi, voilà. Et si ça vous plaît pas, là aussi. Voilà. Ça, il y a des bibliothèques partout dans cette baraque. Sauf à l'étage. Ou alors. Si vous êtes pas sage, j'en mets une là. Là, allez, non, je déconne, j'en mets pas là. Ouais, fait avec ce qu'on a. Hein. Hop. Non, les tableaux, c'est pour à l'étage, j'en mets pas ici. Bon, on manque plus que la porte. Titi. Hop là. Oh, personne n'en veut de ma maison. Laquelle? Je viens de faire. Oh, si, quand je suis allé la visiter, il y a un NPC qui est venu et qui en est sorti, qui a fermé la porte en passant. Si, je t'assure. Aucun problème. Voilà. Voilà. Bah voilà. Hein? Bah voilà. Ouais. Bon. Alors, lui, quand il aura fini de sentir les fleurs, il rentrera dans la maison pour l'essayer. Je vais devoir téléphoner à Titi, moi. D'accord. Comment est-ce Surveille qu'elle... le village d'en haut. Pardon? Je surveille d'en haut. Tu es sur un toit. Quelque part. Ah oui, sur le... Oui. Eh oui, mais j'ai pas activé le PVP sur sur ce serveur parce que je connais tes goûts pour les farces. Comment est-ce qu'elle va, Titi, d'ailleurs? Va bien. Ouais, tant mieux. Elle va bien, elle va bien. Cool. Ah oui, voilà. Ouh là 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 là. J'étais en train de me dire, mais pourtant j'avais pensé à un truc. Bah ouais, j'avais pensé à un truc, tu m'étonnes. On n'irait pas dormir, des fois? Tiens. Non? Voilà, je suis dans le lit au-dessus là. Ah oui, ok. Ah bah Est-ce il que... fait pas encore nuit. Il fait pas encore nuit, mais ça va pas tarder. Ah voilà. Bon, je vais téléphoner à Ouais, Titi moi. d'accord. Je reste au lit de toute façon. Ouais, d'accord. Tain!
faut que je trouve une maison avec un lit. Là. Et voilà. Ah, c'est un beau matin qui commence. Et je sais pas si vous avez marqué les mecs, mais il a pas plu une seule fois depuis qu'on a commencé à jouer tout à l'heure. C'est extraordinaire parce que de nos jours dans Minecraft, pour qu'il cesse de pleuvoir, la croix et la galère. Bon, alors si j'avais été malin, j'aurais fait mon pilier de terre là. C'est malin. Encore une fois, si j'étais malin, ça serait depuis le temps. Voilà. Pardon. Excusez-moi. J'ai pas utilisé la fonction mute de mon micro parce que j'ai remarqué que ça faisait un bruit terrible. Et qu'il faudrait que je l'édite d'une manière ou d'une autre. Et ben voilà. Voilà. Alors là, j'ai mis une espèce de... Je sais pas, un machin qui fait un peu... Je sais pas. Un peu moyenâgeux. Bon, je fais pareil de l'autre côté ou... Est-ce que ça vaut vraiment la peine de monter là-haut pour mettre un machin que personne ne verra jamais pour aller toucher l'autre baraque? Non, hein. Nenni, hein. Comme on dit par chez moi. Nenni, hein. Alors... Un petit jardin ici. Qu'est-ce que t'en penses? Jardin? Quelques broussailles, quelques buissons peut-être, ce serait pas mal. Pour casser la verticalité de cette maison qui, ma foi, est relativement haute. Hop là. Voilà, alors hop 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 hop. Je pense que c'est tout. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour les poteries ronds. Ouais, mais je le mettrais bien plutôt de ce côté-là, moi. Ah oui. Voilà ce que mon esprit essayait de me dire. Il fallait que je prenne des lianes pour venir les mettre là. C'est très malin. Je les ai pas pris. The. Bah tant pis. The. Voilà. Voilà, c'est ça, comme ça, et puis c'est tout. Alors, si on va se répandre de ce côté-là, je crois que je vais faire quelque chose d'un peu symétrique, comme ça. Hop là! Mon Dieu, que c'est joli! Enfin, ça va quoi. Et là, je sais pas trop. Des fleurs plutôt. Allez, des fleurs. Voilà, jolie fleur. Ma foi, ça se défend. Au fond, l'éclairage public peut très bien être simplement des torches sur les maisons. Au croisement. Ou bien comme ça. Mouais. Bon, il veut pas de cheminée dans sa maison. Est-ce que j'en mettrais une à moi? Est-ce que je mettrais une cheminée? Pour ça, il faudrait que je... Mettre ici un four, ou il faudrait que ce soit dans le mur, ce serait un peu visible.
On le verrait là. Oh. Non, je vais pas le faire. C'est bon comme ça. Le mieux est l'ennemi du bien. J'avais envie d'une maison qui paraisse un peu haute comme ça. Par contre, je vais un peu monter à l'étage, là, pour voir à quoi ça ressemble. Oh, mais il est là au-dessus, le gabri. Hey ! Non. Raté. 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 Bref. Ouais, ça va. Oh oui, je sais bien, tiens. Ben voilà ce que je devais faire. Une des fenêtres sur les côtés. Je sais plus comment on dit. Oh, mais je lui ai fait un critical en passant. Quelle honte. Je sais qu'il n'aime pas beaucoup que je le chatouille de mon épée, mais bon. Ouais. On va voir si... Ah oui, mais il y a les tableaux, là. Les tableaux, hein, ça. On va voir d'abord de l'intérieur. Le mieux est l'ennemi du bien, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même envie d'y revenir. Et ici, il y aurait moyen peut-être de faire un truc comme ça. Ouais. Pop. Au moins de ce côté-ci. Ah! J'ai failli tomber. La vache. ouais, et alors on aurait là aussi, je pense. Hein. Oui. On arrête de jouer avec les portes, s'il vous plaît. Hein. Merci, merci. Non, mais. Oui, en fait, il fallait pas que j'enlève le mur. C'était. Un gros fail. Bon, c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude. Hein. Oh! Un gosse. Voilà. Alors. Oui, c'est ça. Il faut des blocs pleins ici. Wow. Faudra que je vérifie si j'arrive encore à viser, moi. Hein, parce que. Un peu de mal, hein. Ça. Là. Ouais, c'est très limite hein, comme fenêtre, c'est même un peu ringard. Salut Fifi. Et évidemment, je suis coincé dehors. Ça aussi, c'est un peu ringard. On peut mettre deux blocs de verre au lieu de mettre des bois. On va essayer, voir ce que ça donne. Rien. Ça donne pas parce que ça s'accroche pas aux escaliers. Combien de fois est-ce que je dois me le répéter, hein? C'est une bonne question, hein, ça. Ah oui, ben voilà. Oui, en fait, oui. Là, il faut... Non, c'est pas ça. Non, c'est là, en fait. Voilà. Ouais, ça me semble... Ah, mais avec ça, à mon avis, le verre va s'accrocher. Tac. Et voilà! Dans ta face! Bien. Bah, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux faire. Hein, voilà. Hop! Raté. Dommage, j'y étais presque. Alors, de loin, ça donne... Ouais, mettons. De l'intérieur, ça donne... Oh, une fenêtre. Bon, une fenêtre, quoi. Hein.
Ça ou un tableau, c'est bien, hein. Les deux sont bien. Et là, on voit carrément chez l'érudit en face. Hein, parce que le mot du jour, la dernière fois, c'était érudit, dont j'étais incapable de me souvenir. Yahoo! Alors, vérifions si c'est suffisamment éclairé ici. Ça va. Michael, ça va être tout noir. D'accord. Le temps d'arriver jusqu'au lit et... Ah. Voilà. Bon, bah, je crois que cette maison, elle est bien. Oui. Je sais, ça s'appelle une marche. C'est un slab, c'est une dalle. Ça veut dire que tu sais pas sauter de là. Je te vois souvent faire le con à cet endroit-là, essayer de monter là, et tu n'y arrives pas. Mais non, il n'y arrive pas. Il faut te déplacer d'un demi-bloc sur la gauche ou sur la droite. Là, comme ça, là. Regarde. Ça va mieux, là. Tu vois? T'as pas l'air de comprendre ce que je te dis, hein, non? T'as pas fait maths sup, toi, hein? La vache. Bon. Par contre, pour marcher à travers les toits, c'est très très fort. Oui. Bon, bah voilà. Ouais, mais... C'est bizarre, ça donnait mieux de ce côté-là, tiens. Ah oui, mais là, oui. Oui, mais il faudrait un slab au-dessus, à mon avis. Ce serait mieux. Ouais. Je pense. Je pense donc j'essaye. Tiens. Toujours au téléphone. Voilà. Alors, voyons cela. Salut petit. Viens avec moi, j'ai des bonbons. Non? Non, 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 t'enfuis pas. Non, tant pis. Ouais. Ouais, ça va. Ça reste raisonnable, on va dire. Pas mirobolant, hein. Mais c'est pas la pire que j'ai faite non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme aménagement intérieur dans celle-ci? Son jardin laisse à désirer un peu. Ça va encore. Ok. Oh, ici c'est assez tristounet, hein, quand même. On mettrait bien des petites fleurs, non? Voilà. C'est bien mieux. Et alors là, nous avons la porte, le coffre, bibliothèque, tout ça, c'est très chouette. Je ne résiste pas à l'envie de venir décorer d'un tableau. Un tableau que je vais mettre, je sais pas, là. Allez, on va pas mettre chaque fois le même quand même. J'aime bien celui-là, mais... Ouais, allez. Admettons. C'est pas le plus sexy, mais... Tout est toujours une question de texture, de pack de texture aussi, donc c'est pas très grave. Hein. Admettons. Bah, ça va bien, ça. Ça passe bien. C'est nickel. Très chouette. C'est très très chouette. Bon, bien voilà. Deux maisons rondement menées. Toujours pas de décision quant à l'éclairage public. Mais bon, voilà, c'est... Rome ne s'est pas faite en un jour. Je crois que je vais rajouter un truc ici. Hop là. Bien, il ne me reste plus qu'à patienter en attendant que Gabriel termine son coup de téléphone. Je vous retrouve dans un instant.